suis Vincent Pélissier, fondateur et directeur des éditions Fario. Alors, en fait, le texte, il a été publié en Allemagne en 1987, donc après Tchernobyl. Et Anders est à ce moment-là un vieil homme, en effet, un vieux militant pacifiste, un vieux militant anti-nucléaire, un vieux militant anti-industriel. Bien que je sois très souvent vu comme un pacifiste, je suis aujourd'hui arrivé à la conviction qu'on ne peut plus rien atteindre avec la non-violence. La renonciation à l'action n'équivaut pas à une action. Vous plaidez pour la violence, monsieur Anders. Pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire par là? Oui, je le peux parfaitement, mais je ne le ferai pas en détail, parce que vous pourriez alors vous retrouver confronté à quelques difficultés en publiant mes propos. En tout cas, je tiens pour nécessaire que nous intimidions ceux qui exercent le pouvoir et nous menacent. Même si nous restons des citoyens contestant de façon douce, non provocatrice et sobre, nous passons pour des suspects, nous tous. Si nous restons non violents, nous courons donc déjà le risque de nous faire dépouiller de notre liberté et d'être, le cas échéant, combattus physiquement. Si nous risquons déjà d'être attaqués, faisons alors en sorte, s'il vous plaît, que ce que nous avons dégusté vaille comme peine pour quelque chose, pour de véritables délits de notre part. Le mensonge aboutit facilement dans l'actuelle République fédérale, d'autant plus facilement qu'à chaque fois que quelques casseurs, engagés par le ministère de l'Intérieur pour servir de prétexte à des interventions rapides, passent à l'attaque, des équipes de télévision arrivent toujours promptement sur place et donnent en direct une preuve optique et mensongère des méfaits commis par les manifestants. Ces prétendus casseurs et ces témoins visuels sont des collègues. Les deux groupes sont les employés d'un seul et même pouvoir. Qui exhorte publiquement à la violence doit être prêt à aller au feu. Gunther Anders, que je prends par ailleurs très au sérieux, ne le fera sûrement pas. Il porte maintenant la responsabilité du fait que tout terroriste peut se réclamer de lui. Un homme de 85 ans badine avec la violence. Un vieil éco-général joue du tambour. Ne le suivez pas. De telles considérations nous ont amené le terrorisme. Nous n'avons pas besoin d'une fraction armée verte, en plus de la fraction armée rouge. La contestation non-violente, par laquelle on a juré pendant deux décennies, a été dénaturée et remplit désormais une fonction de soupape qui ne menace aucun pouvoir et n'a aucun effet. Du coup, la contestation non-violente a été ravalée au rang d'instrument du pouvoir. Je ne peux pas approuver le plaidoyer pour la violence du philosophe Anders, qui repose sur une certaine résignation. Je lui oppose la résistance non-violente sous diverses formes qu'on peut mettre en œuvre à l'aide de moyens démocratiques. Car, sur la durée, un gouvernement aussi stupide ne peut se permettre de gouverner contre la volonté éclairée de la majorité de ses citoyens. Les maîtres de la violence se révoltent contre toute forme de résistance, les grèves, les sit-ins, etc. Écrit « Arrêtez les individus qui ont recours à la violence. Ils veulent, à tous les coups, obliger leurs victimes à la non-violence. » Le brouillard de la discussion des témoins principaux était à peine dissipé que c'était clair. La lutte contre des actes de violence comme le meurtre et l'homicide volontaire n'était qu'un prétexte pour un nouveau lot de lois antiterroristes. Beaucoup de gens n'ont absolument pas compris de quoi Gunther Anders avait parlé lors de cet entretien, à savoir de la résistance contre l'usage que l'État fait de la violence. À moins que l'encerclement de manifestants par la police ne soit pas un recours à la violence moralement et juridiquement interdit. À moins que, par exemple, le village de Cabane, sur la piste ouest, n'ait pas été évacué violemment par une police utilisant des matraques, de l'eau et du gaz contre des citoyens pacifiques. Que des rues n'aient pas été bloquées pour interdire un rassemblement contestataire. Est-ce que ce ne sont pas là des emplois abusifs de la violence étatique? C'est quelqu'un qui a une formation philosophique très particulière parce qu'il appartient à une génération qui sont les élèves de Husserl et de Heidegger. Donc il est le contemporain
en particulier d'Anna Arendt, dont il sera, comme vous le savez, le premier mari. Et puis, il est aussi le contemporain de gens comme Adorno, Horkheimer. Bon. Il a un double ancrage philosophique, celui de la phénoménologie, ça c'est très important pour lui, avec cette filiation universitaire, classique. Et puis, il a un autre ancrage qui est le marxisme. Hein, ça fait partie de son bagage culturel. C'est pas un marxiste traditionnel ni un marxologue, mais c'est quelqu'un pour qui l'œuvre de Marx constitue une espèce d'horizon, de socle. Bon. Il a une histoire assez singulière qui tient d'une part au fait qu'il a été exilé. Il a quitté l'Allemagne dans les années 30 pour se réfugier d'abord à Paris, où il a vécu. Avec Hannah Arendt, il a écrit, il a même reçu un prix pour des nouvelles, parce qu'il avait un talent une palette de talent assez large. Il a ensuite émigré aux États-Unis. Ça a été une période de sa vie extrêmement importante parce que les États-Unis, il était un peu hors circuit universitaire, et il s'est mis à faire toutes sortes de boulots. Donc il a travaillé aussi bien en usine, il a essayé d'être scénariste pour Hollywood, il a fait des conférences, parfois dans des galeries d'art, des choses comme ça. Enfin, il avait une activité extrêmement variée. Il découvre d'abord deux choses là-bas aux États-Unis. D'une part, la télévision, ça c'est un axe majeur de son analyse ou de sa perception du temps. Et d'autre part, il y a un événement auquel il va être sensible plus que tout, c'est en 1945, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Ça va constituer une espèce de basculement dans sa perception de la toute-puissance de la technique. C'est quelqu'un qui a déjà réfléchi très en amont de cela à la question de la technique. Mais la destruction totale par la bombe nucléaire comme une possibilité et puis comme une réalité effective à Hiroshima, c'est quelque chose qui le fait basculer dans un engagement qui va devenir à ce moment-là un engagement de penseur plus que de philosophe. Alors je m'explique. À son retour des États-Unis, d'abord il refuse de rentrer en Allemagne, il rentre en Autriche. Et il refuse aussi de faire la carrière qu'il aurait pu faire, très vraisemblablement. D'ailleurs, on lui a proposé des postes à l'université, il aurait pu les occuper, il aurait pu retrouver le lit de la rivière, en quelque sorte, retrouver à la fois une position académique et retrouver une philosophie académique. La rupture qu'il incarne et qu'il assume profondément, c'est celle de quitter le terrain de la philosophie pour universitaire. Après mûre réflexion, il dit, il n'est plus possible de discuter de concepts totalement abstraits alors que la survie de l'humanité, les conditions de la durée, de la continuité de notre existence ne sont plus réunies. Ça modifie totalement pour lui la perception qu'il a de la philosophie. Ça a une conséquence très importante, c'est qu'il va à ce moment-là décider d'écrire de manière non technique. Et puis, donc son engagement comme journaliste. L'anecdote est maintenant connue, on sait que il écrivait dans un journal viennois la moitié des articles. Alors le rédacteur en chef trouvait un peu bizarre que de signer la moitié des articles d'un journal du même nom. Et il lui a dit un jour, mais ça pose problème, il faudrait peut-être vous trouver un pseudo, etc. Et lui a répondu, bah, vous n'avez qu'à m'appeler autrement. Et autrement, ça, en allemand, c'est Anders. Donc c'est devenu son nom. Son nom original étant Günther Stern. À partir de là, il a mené une double vie, une vie d'écrivain et de penseur,
Alors, écrivain à la fois sur le plan théorique ou théorico-pratique, mais aussi fabuliste. Bon, il y a toute une partie de son œuvre qui est dans une veine, disons, plutôt littéraire. Et puis, une activité de militant, puisqu'il s'est très directement engagé, en particulier en Allemagne, contre l'énergie nucléaire et contre la bombe. Non seulement c'était un mouvement de masse, mais c'est un mouvement de masse qui a connu des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des centrales nucléaires qui ont été fermées, des projets de centrales nucléaires qui ont été abandonnés et des bases de missiles américaines qui ont été évacuées. On peut dire que c'est un mouvement qui a fait reculer à la fois le pouvoir d'État et le pouvoir économique. Anders, il est assez malin dans les entretiens. Vous l'avez souligné, il dit pas exactement comment il faut faire. À la fin, justement, dans le texte qu'on a placé en annexe, il s'engage davantage. Et il dit les choses de manière très précise. Il dit, il faut donc terroriser, menacer, intimider ceux qui sont directement responsables, et par exemple les ingénieurs de l'industrie nucléaire. Nous avons, dit-il, un devoir qui est celui de la résistance. Et là, il prend le modèle, il donne aux Allemands, c'est là où il est un peu rusé, il donne aux Allemands le modèle de la résistance française au nazisme. En disant, de la même manière que les Français ont organisé leur résistance, comme nous, Allemands, nous aurions dû finalement tuer Hitler, de la même façon, aujourd'hui, nous, Allemands ou pas Allemands d'ailleurs, nous devons résister, nous devons organiser une résistance avec les mêmes moyens, la même détermination et les mêmes enjeux qui sont les enjeux de la survie face à ceux qui établissent, défendent, par les moyens de l'État et les moyens de la technique, l'industrie nucléaire et pas seulement nucléaire, évidemment, ça peut être l'industrie chimique, le béton, tout ce qu'on veut. Pourquoi publier un tel livre? Alors, il y a la façon dont un tel livre nous réveille. Anders dit, ça suffit de s'indigner. On n'en est plus là. On n'est plus au temps où il faut éprouver des réserves morales. On en est à l'époque où il faut résister. C'est effectivement d'actualité dans toutes sortes de lieux. La façon dont on articule la violence à cette résistance, évidemment, on ne peut pas faire de ce livre un vade-mecum, ni un manuel qu'on donnerait en disant voilà, ben, Anders l'a dit, il suffirait de. Non. Il permet simplement de problématiser le pacifisme comme une possibilité, au fond, d'inertie, mais aussi de complicité avec le camp d'en face, en quelque sorte, l'État, par exemple. C'est là où c'est une faillite personnelle pour lui, c'est que la raison ne suffit pas. Les arguments, la représentation intellectuelle d'une situation ne suffit pas s'il n'y a pas de la force qui est associée. Donc c'est une vraie rupture pour un homme âgé, justement, qui a bâti toute sa vie sur la force de la raison et de l'esprit, d'avoir à constater que c'est insuffisant. Alors il dit la chose suivante: Je n'écris pas ces dernières phrases à la légère, ces dernières phrases effrayantes, comme je formulerais une quelconque hypothèse, opinion ou récrimination. Car jamais, au cours des 70 ans qui nous séparent des premiers jours d'août 1914, le fait que des hommes puissent tuer d'autres hommes et puissent même y prendre un certain plaisir, n'a cessé de me sidérer. Enfant déjà, je n'ai jamais pu prononcer le verbe tuer sans une certaine hésitation, comme si le son de ce mot était aussi meurtrier que l'acte qu'il désigne. D'ailleurs, de toutes les pages que j'ai publiées ensuite, peu nombreuses sont celles qui ne sont hantées par l'horreur du meurtre. C'est donc plein d'effroi et d'incrédulité que j'écris et suis obligé d'écrire ce mot, car il n'y a pas d'autre moyen de survivre que de menacer ceux qui nous menacent. Ceux qui m'obligent à briser le tabou du meurtre peuvent être certains que je ne leur pardonnerai jamais. Voilà. Aussi longtemps qu'elle est utilisée par les pouvoirs reconnus, la violence n'est pas seulement autorisée,
elle est moralement légitimée. Le pouvoir lui-même repose toujours sur l'exercice de la violence. Il n'est pas possible d'atteindre une résistance efficace par des méthodes aimables, comme celle consistant à offrir des bouquets de myosotis aux policiers qui ne pourront pas les recevoir parce qu'ils ont leur matraque à la main.